très bien. Elle m'inspire. Chaque fois qu'il y a une de ses vidéos en ligne, même si c'est mon téléphone qui signale, papa, je suis allée prendre mon ordinateur, même si je suis à la cuisine, là, en train de piler le feu ou tourner le foufou, là. Ah, génie, je veux voir. Voilà, je vais... voilà. Elle a même mis une vidéo hier. Malheureusement, j'étais en train de laver du ndolé. J'ai cuisiné le ndolé. Je vais vous mettre le plat, là. Et... j'ai pas pu suivre, je vais suivre dès que je rentre du travail. Là, je suis en train d'aller au travail et j'ai pensé à elle ce matin en mettant ce look. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo à la Manuela Miro, cette classe jeune fille parisienne et autres. Voilà, je baisse la caméra et on voit. Bonjour, aujourd'hui je reviens avec une vidéo à la Manuela Miro. Franchement, cette youtubeuse de la mode, c'est la classe, c'est le chic. Voilà, depuis que je suis cette jeune parisienne, c'est-à-dire c'est une black complètement assimilée, elle est plus parisienne que même d'autres parisiens d'origine. Voilà, vraiment, elle a de la classe dans ses vêtements, de la classe dans sa façon de parler, de la classe dans ses habitudes, de la classe dans ses, comment dire, sa façon de s'exprimer. Et voilà, elle se met très très bien. Et depuis que je suis cette jeune fille, cette jeune dame, voilà, franchement, ma garde-robe, elle a changé. Aujourd'hui, je me lance sur une vidéo basique, avec des basiques et des couleurs neutres, comme elle aime à le dire. Voilà, j'avais beaucoup de couleurs dans ma garde-robe. Voilà, j'ai dû enlever beaucoup tout en gardant des pièces fortes, comme elle dit souvent, en total look, peut-être rose, jaune, autre. Et voilà, et même quand on est dans ces couleurs là il faut savoir les prendre assez modérées et savoir comment les porter. Je me lance juste, je vais faire un peu comme elle. C'est pas la même corpulence, c'est pas forcément le même art, c'est pas forcément le même milieu de vie. Voilà, je vais essayer. Mais elle a un chic. Voilà, j'ai aimé ses photos à l'aéroport. Elle passe facilement de la classe au chic, du chic au décontracté, du décontracté au casual. Et voilà, moi je garde mes tresses africaines, je suis une Camerounaise. Voilà, comme je vous dis toujours, j'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, ne l'oubliez pas. En passant, est-ce que je vous ai dit bonjour, bonjour, comment ça va? Moi ça va, je fais avec, comme disaient nos parents, j'ai vu le jour se lever, c'est un peu ça. Voilà, je me lance déjà là avec cet ensemble pantalon large et un veston et un basique marron qui va avec tout. Et puis j'ai constaté avec elle ce noir, ce marron là, j'ai aussi ce haut en noir. Je peux prendre un ensemble marron et le mettre, ça fait total look marron avec à l'intérieur noir. Et vous pouvez casser, c'est-à-dire autour des deux tenues, vous pouvez en avoir 5-6. Franchement, cette fille là, c'est de la totale, c'est de la magie, je vous assure. Cette petite-là, vraiment, déjà les vêtements lui vont très bien. Elle m'inspire. Chaque fois qu'il y a une de ses vidéos en ligne, même si c'est mon téléphone qui signale, papa, je suis allée prendre mon ordinateur, même si je suis à la cuisine, là, en train de piler le feu ou tourner le foufou, là. Ah, génie, je veux voir. Voilà, je vais... voilà. Elle a même mis une vidéo hier. Malheureusement, j'étais en train de laver du ndolé. J'ai cuisiné le ndolé. Je vais vous mettre le plat là. Et j'ai pas pu suivre. Je vais suivre dès que je rentre du travail. Là, je suis en train d'aller au travail et j'ai pensé à elle ce matin en mettant ce look. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo à la Manuela Miro, cette classe si jeune. Je vous assure, c'est un truc de ouf, cette fille. Elle est voilà, elle vraiment, je crois qu'elle devrait être conseillère en image. Voilà, vous voyez, même quand vous avez des formes, vous voyez un peu, des formes, même quand vous avez des formes, vous avez votre noir là qui vous adoucit la silhouette et ce marron là qui ne frappe pas trop. Et puis vous avez votre veste et la go, elle a un style, genre, elle casse et autre et tout. Je vais vous montrer ses poses tout
à l'heure là, franchement, c'est une fille, elle a une classe et elle passe facilement du chic au casual, du casual au branché, du branché à la classe. Voilà, même un jean, elle peut vous faire, elle peut vous rendre ça cool. Ce pantalon, je le négligeais, mais je l'ai vu chez elle là, j'ai dit ah, je vais repasser mon pantalon, je le remets dans ma garde-robe. C'est le basique du chic, de la classe, du style en fait, voilà. Et puis, voilà, je me lance en elle, je vais d'abord faire un petit défilé avec celui-là. Et puis, le make-up, il faut rester très, très nude, sauf pour certaines occasions, voilà. Comme, allez voir à ma dernière vidéo, j'ai des crêtes en bas, mais là, c'est une perruque de crêtes aussi. Voilà, et je garde cela, comment dire, je fais ces crêtes quand je rentre chez moi. Même si j'enlève ces crêtes-là, qui sont perruques, que je sois, voilà, regardez, que je sois, belle pour mes enfants, pour mon mari, mais au bureau, j'ai besoin de changer de tête, voilà. Alors, je remets ma perruque de crêtes. Voilà. Et c'est reparti. Regarde. Cette gola, la gola, non, c'est le feu de la go, comme on dit ici, c'est le feu de la go. Voilà, c'est un peu ça. Je vais prendre quelques pauses comme elle prend souvent et puis on va conclure notre vidéo. Franchement, allez suivre cette fille, c'est la classe. Depuis que je la suis, franchement, ma garde-robe, elle se porte mieux. C'est vrai qu'il y a des classiques que j'ai gardés pour le travail, comme des tailleurs, des robes tailleurs. Bon, elle en parle aussi, mais j'aimerais qu'elle fasse une vidéo sur les tailleurs aussi, des robes très très classiques et autres. Voilà, on se lance comme elle. Thank you.
de ma vidéo. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. Je suis en mode Manuela Miro. Je mets depuis un super pays de l'Afrique centrale. C'est le Cameroun, la fille qui donne le rythme de la